Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio. On se retrouve avec Katox en multi. Salut Katox! Salut. Et du coup, je clique de suite sur reprendre le jeu et on était du coup en train de travailler sur remettre nos usines en place. Donc ouais, on était en train de... Fallait diversifier un peu pour faire des plaques d'acier. Ben, ici, je t'ai fait une ligne de plaque d'acier. Nickel. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ici, il faut que je le déplace. Là. Et du coup, oui, ce que je te disais après, en off, j'avais pensé après, c'est qu'en fait, le schéma que tu as fait, on peut pas vraiment le copier-coller à la suite, puisque si on le copie-colle à la suite, là, tu vois, les tapis sont déjà pleins. Du Ouais, coup, mais je. ils resteront pleins, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on le parallélise, en fait, plutôt qu'on le mette Ben, en ce que je vais faire, série. c'est je vais modifier simplement le tampon. Hop. Au lieu de faire. Allez. J'ai 4 arrivées, donc je pense que je vais simplement faire comme ceci. Moi, je vais faire un petit tampon aussi là parce que j'aimais bien l'idée. Un coffre, j'ai un coffre. Hop, on va mettre un comme ça directement. Voilà. Et comme ça, en fait, Voilà. les. Et... Ouais, j'avais du mal à comprendre ce que tu disais, mais finalement, voilà, si on fait comme ça, les quatre, enfin, les quatre coffres qui sont là, après, tu peux les faire ressortir par Ouais. autant que nécessaire. Et au pire, ce que tu peux encore faire, c'est les rajouter des bras rouges par-dessus, ou enfin, tu vois. Ouais, mais si après, si jamais on doit vraiment augmenter la production et refaire, enfin copier-coller, c'est le Ah mais tu schéma de copies-colles pour four, descendre. on le copie-colle, mais faudra qu'il sorte à côté, quoi, du coup. Ouais. Mais ça encore, on a les bras robotisés rapides, je veux dire classiques. À terme, je pense que tu peux encore les développer. Tu vois, tu peux prendre peut-être des hautes capacités. Ce Ouais, sera peut-être oui, des. qui Je pense que les dépote un hautes peu plus, ouais. capacités sont mieux et. Enfin, on va réussir à améliorer le tampon. Et quand tu regardes ce qu'il y a déjà dedans, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, bah de toute façon, ça dépote, hein. Je pense qu'avant qu'on ait terminé, enfin qu'on utilise déjà tout ça, bon déjà, il faudra se mettre à l'utiliser. Mais je pense qu'il y a déjà de quoi se faire un peu plaisir, ouais. Du coup, là, j'ai fait un petit tampon pour les barres d'acier. Donc il va relativement lentement, mais on verra s'il y en a besoin de plus. Et du coup, je pense qu'on peut virer ça et ça parce que ça fait perdre du temps en fait. Voilà, ça sera plus intelligent comme ça. Pourquoi ils font rien? Pourquoi vous faites rien vous? Pourquoi vous faites rien? Parce que les pinces sont dans le mauvais sens. C'est ballot. Ah, ça va aller un peu mieux, je pense. Je me disais, on fournit pas beaucoup d'acier, mais en fait, c'est les pinces qui étaient dans le mauvais sens. Ça va aller mieux. Ouais, ça quand tu les poses toutes à l'une à la suite de l'autre. Rigole pas, c'est toi qui as fait l'erreur. Ouais, je sais. Je l'ai fait Non, plusieurs fois je. en plus, hein. Oh, bah non, mais normal, au bout d'un moment. Du coup. Alors, il fallait qu'on commence par des potions vertes, c'est ça? Non, rouge. Rouge, il fallait des plaques de cuivre et de l'engrenage. Du coup, on pouvait assez facilement s'en tirer. Après, il fallait les potions vertes. Il nous fallait du cuivre et des trucs. Et après, il nous fallait des briques. Ouais, c'est les packs de sciences militaires les plus compliqués, mais on n'y est pas encore. Je pense que déjà, avec tout ça, on devrait pouvoir s'en tirer. Et ça fait. Il faut qu'on fasse une voiture aussi. Il va falloir qu'on fasse ça. Parce que j'en ai ma claque de me déplacer à pied. Alors on m'a vendu beaucoup les rails dans les commentaires, hein. Je ne vous oublie Ouais, mais pas. c'est, je pense que c'est la vie. Ouais, mais bon, pour l'instant c'est peut-être encore un petit chouïa tôt, quoi. On va Bah, dire. ça dépend combien ça. Je sais pas combien ça coûte, j'ai pas regardé. J'en avais fait déjà quelques-uns, il doit y avoir un coffre là-haut où il y en a pas mal déjà. Parce qu'il faut voir quelle taille ça fait en fait. Si ça fait juste un carré, genre comme les tapis, effectivement, on va en bouffer, mais en théorie, un bloc de rail, tu fais pas ça en. Enfin, je sais pas. Non, c'est, je crois que c'est deux barres de fer et une barre d'acier, ça te fait deux rails, un truc du genre. Enfin, c'est pas. Il faut voir la taille du rail en lui-même, c'est surtout Et ça. la rail, le rail, il fait deux terrains. Il fait deux cases. Il me faut des séparateurs, j'en ai pas.
J'en ai pas, ils sont là. Hop, 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 hop. On va faire quelques-uns. Lâche-moi ça. Parce que mine de rien, je pense qu'avec la production qu'on va aligner là, ça va disparaître relativement rapidement les gisements qu'on a. Hein. Oui, carrément, ouais. Bon, on a encore de quoi faire, mais... Bah, de toute façon, là, vu qu'on a commencé à les poser, j'avais commencé la dernière fois à les poser 2-3 conneries sur le truc de pétrole, là. Il y Ah, a c'est une vrai, ouais. énorme minerai de fer à côté. Il va falloir qu'on nettoie la zone. Et après, il faudra trouver effectivement du cuivre à un moment, mais. J'aimerais bien faire un truc. Alors, attends, je vais regarder un peu, toi, du coup. Ouais, tu séparais, ça donnait ça. Je vais peut-être plutôt séparer. Ouais, quoi, de toute façon, il faut que je ramène tout, donc autant séparer ça ici. Ouais. Oula, allez, on se calme. Calmez-vous. Alors, la sauvegarde automatique qui fait des petits lags là. Hop, 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 hop. Donc, on va faire. 3 déjà pour commencer comme ça. Vous êtes. Ah, mais il en faut d'autres, putain. Les recettes. Faites-moi plein de répartiteurs, j'ai besoin de briques, absolument. J'ai pas du tout besoin de briques. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc là, du coup, on va en mettre 1, 3. Écarter suffisamment là, je suis pas sûr. Ouais, je me suis encore gouré de sens ici, mais c'est pas grave, on va patcher. Pour l'instant, je fais le schéma un peu comme il me vient. Non, une caisse de plus. J'y arrive. Hop. Hop. Bon, les convoyeurs, c'est absolument la teuf. Hein. On peut les faire par plus. Ah merde, j'en ai lancé 245. Stop, stop, on s'arrête, arrête-toi. Arrête-toi, Arrêtez arrête-toi. tout. Ah. Ok, c'était peut-être un petit peu trop 245. J'aimerais bien les faire 10 par 10, c'est possible, non? Pas vraiment. Tant pis. Donc ici, il va falloir que je remonte, je pense. Non, dans l'autre sens. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Voilà. Donc vous, ça, on va virer. Sans vire, sans vire. On va faire ça autrement. Ça sera plus simple en faisant directement. Les arrivées. Donc mettons que là on arrive avec du cuivre, du cuivre. Je vais activer le bousin histoire que ça commence à se remplir. Oh, putain, le trajet qu'il y a à faire quoi. Hop, hop, voilà, c'est parti. Je t'ai pas posé toi, j'allais être trop loin. Allez, en avant. Donc ça va arriver ici. Donc là, on fait de la potion rouge. Ah, il faut que je fasse des engrenages, putain, j'avais oublié. Il faut que je fasse des engrenages. Ce qui veut dire que du coup, on va faire des engrenages qu'on va amener là. Ok, très bien, pas de souci. Ça change pas grand-chose. De la potion rouge. Potion rouge. Potion rouge. Rouge, voilà. Donc là, le cuivre va arriver. On prend des petits bras. Ils vont nous charger le cuivre. Ils vont nous charger le cuivre comme ça. Il faudrait plutôt que je les mette là en fait. Je peux déplacer? Non, je peux pas déplacer. Alors je m'excuse à un catoc, je parle tout seul, mais bon bah du coup
C'est le syndrome du youtubeur. Hein. Non, t'inquiète. Mais je suis même concentré sur ce que je fais, donc... Hop, hop, voilà. Nickel, donc là on passera nos engrenages qui se chargeront, et il nous faut un truc pour évacuer, j'ai pas prévu assez de place on dirait pour évacuer. Merde, j'ai pas prévu suffisamment de place pour évacuer. Et bah oui, parce qu'ils font deux de cases. C'est ballot. Je suis d'accord avec vous, cher viewer, c'est bien ballot. Ah, mine de rien, ça demande une vision dans l'espace qui est pas évidente. Hein. Ouais, ça... Bah, on est une fois que t'as le truc, ça va. Ouais, une fois que t'as le schéma, ça va, mais... Donc là, on amènera les engrenages ici. Et il nous en faut un autre à côté pour évacuer. Hop, voilà. Et donc du coup, je reprends mes machins. Voilà. J'ai optimisé déjà un peu plus la production de cuivre. Par là... Pourquoi vous que ce n'est pas à vous ? Non, dans l'autre sens. Ok, il faut que j'arrive ça. Voilà, donc là, on va charger le cuivre. Ici, on chargera les engrenages. Hop, hop, et hop. Et on déchargera les potions. Hop, hop, non. Cela du coup. On prend ici, on décharge là, on prend ici, on décharge là, on prend ici, on décharge là, voilà. Est-ce qu'il te faut une ligne de pierre ? Il me faudra une ligne de pierre, ouais. Pour pas tout, pour les militaires, il me faudra une ligne de pierre, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors ensuite. Attends, je suis en train de voir que mon OBS est pas du tout bien calé. Voilà, c'est mieux. Pouf, pouf, pouf. Donc le cuivre, ça le fera. Bon, on va déjà faire avec ça. On fera la deuxième plus tard. De toute façon, il y aura juste à copier-coller normalement. On va virer ça. Hop. Voilà, là, c'est cadeau. Du coup, il faut que on amène des engrenages. Des engrenages. Pour faire des engrenages, on va prendre. Alors les engrenages, je crois que c'est que du fer qu'il faut. Oui, c'est que du fer qu'il faut. Hop. Alors les fers un peu plus loin. Genre par ici. Voilà. C'est même peut-être un peu trop près. Non, c'est trop près, ça va être chiant. On va monter d'une case. Pareil, on va faire le... On va faire l'inverse. On amène des engrenages ici. Nickel. Je l'ai mis dans le mauvais sens, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Pourquoi tu m'emmerdes ? Voilà. Fais-le dans le bon sens, s'il te plaît. Ok, quand si on veut par là, faut aller par là, et si on veut le faire par là, faut aller dans ce sens-là. Ça fait plutôt sens. Je ne dirais pas le contraire. Voilà, donc ensuite. Donc on pourra mettre éventuellement des séparateurs plus tard. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est avoir 1, 2, 3 machins ici. On arrive de l'autre côté avec du fer. Voilà, un virage, c'est parfait. Ensuite, on charge. On charge. On charge. On décharge, on décharge, on décharge. Voilà. Il faut qu'on active l'arrivée de fer. Avec nos petits panneaux. Voilà. Après, il faut qu'on amène l'électricité. On va longer le... Donc là, la petite astuce, c'est que si vous faites un appui long en posant vos poteaux, bon là je me suis un peu foiré, il va en fait poser des poteaux juste pile poil à la bonne distance. Petite astuce.
assez pratique. Style de filou. Trouvé par Katox. Je rends à César ce qui appartient à César. Ouf, pour ce que je m'en souviens, de toute façon. Faudrait pas que tu te vexes et que tu rage quitte comme ça. Ah, c'est comme ça que je me casse. Dans la marre, de toute façon. Là, c'est toujours pour le même. Let's play, toujours le youtubeur qui a la gloire. C'est un scandale. Toujours les mêmes. Hop, voilà. Bon, là, on a à peu près l'électricité partout. J'ai pas défini les recettes ici. Donc, on dit qu'on veut des engrenages. Des engrenages. Des engrenages. Alors, l'idéal, ce serait probablement de faire un tampon également. Hein, mais bon, c'est pas une priorité. Donc, on va voir nos premiers engrenages qui vont arriver. On va voir si ça fonctionne à peu près. Donc, il va falloir déjà charger les premières. Hein, forcément, ça va prendre un peu de temps. Pourquoi tu ne l'as pas chopé, toi? Tu devrais le choper, normalement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas défini de... Ah, j'ai pas défini de recette ici. Autant pour moi. Ok, c'est parti. On commence à faire des potions rouges. Petit à petit, hein, on va arriver à faire des trucs. Alors, le laboratoire, on va le poser... un peu plus loin. Bon, peut-être pas aussi loin. De toute façon, on va avoir ici une usine de potions rouges, ici une usine de potions vertes, ici une usine de potions. Ouais, donc on peut se mettre directement là par exemple, ça serait bien. J'en ai 10. Non, c'est trop près ça. Bon, c'est épisode reconstruction. Hein. Oh, on avait prévenu un peu. Hein. Ouais, après tout, vous regardez aussi la série pour nous voir inventer des schémas de fifou. Des stratagèmes complexes. Tout à fait, du travail de fond, j'ai envie de dire. Je suis la gestion. Faut que je zoome parce que je fais n'importe quoi. En plus, je parle en même temps, ça me rend d'autant plus ridicule. Il me faut des petits bras. Venez, petits bras. Voilà, du coup, j'ai à peu près foiré le truc. Voilà, c'est parfait comme ça. Hop, hop, hop. Il me faut un bras de plus, merci. Il va me falloir des poteaux aussi. Je n'ai plus de poteaux. Ça, c'est des arrêts. J'en ai plein. Ouais, bah moi aussi, il faut que j'en fasse plein, mais. Ah, moi j'en ai plein, si tu en veux. Ah, bah écoute, il m'en reste que 5, donc je vais en fabriquer un peu. Je t'en rester combien? Du coup, vous, on va. Faire un petit virage directement ici histoire de faire un truc un peu plus serré. Hop, et on arrive ici. Voilà, c'est parti. On amène du courant. Est-ce qu'on peut réussir à faire un truc à peu près optimal? Genre comme ça. Ouais, voilà, c'est pas mal comme ça. Ok, les potions rouges, c'est parti. Ensuite, les potions vertes, si je ne m'abuse. Il faut des convoyeurs et des bras robotisés, donc pour ça il faut du cuivre et du fer. Donc on va récupérer ce truc là, qui m'a l'air, ma foi, fort bien fait. Alors comment tu faisais déjà le copier-coller? C'était avec CTRL-C, un truc du genre? Ouais, ou c'est les touches à côté de ton inventaire d'accès rapide. Alt, désactiver le mode Alt. Donc là je suis pas en mode. Non, Alt. C'est pas ça, c'est en dessous. En dessous j'ai rien, moi. T'as juste Alt? Juste Alt, ouais. Ah, parce que moi j'ai Alt, puis copier, c'est CTRL-C, coller CTRL-V. Bah après, quand je clique sur le mode Alt. Ah, je peux peut-être mettre d'autres touches? Bah non, je peux pas. Je fais glisser, déposer. Copier, CTRL-C. Je peux pas les cocher, comment ça se fait? CTRL-C, ok, bah ça me fait apparaître un truc. Bon, écoute, très bien. Ouais, tu sélectionnes ta zone et puis. Ok, mais je sais pas pourquoi je peux pas mettre de raccourci, mais bon, admettons. Du coup, oui, on va faire un. On va se poser par ici. Par ici, par exemple. Yep. Alors, il faudra qu'on amène du fer. Donc, on va se poser comme ça. Voilà, par exemple. Ah oui, alors comment on fait pour qu'ils le construisent du coup? Non, ça me fait juste un plan, il faut que je pose. Hein. C'est ça. Ok, très bien. C'est déjà ça, j'ai envie de dire.
Hop, 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 hop. Toc, toc, toc. Des bras rouges dans ce sens-là. Bon, j'ai refait l'approvisionnement en cuivre. On ira jeter un œil après, vous inquiétez pas à ce que fait Katox. À mon avis, il va y avoir du fun. Alors du coup, donc ça sera pas du tout des potions rouges qu'on va faire par contre. Comment on change la recette? Recette? Ah, définir la recette, c'est là. Ce sera des potions vertes. Alors il y a peut-être un moyen de copier-coller le fait de faire les recettes. Si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. On le fera lors du prochain tournage, qui sera pas tout de suite, mais on le fera. Et je vous remercierai grandement, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a des poteaux ici dans mon schéma, c'est ça, ouais? Ouais, il y a des poteaux. Un petit peu nébuleux les poteaux, sur les bords. Hop, 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 ouais, ça devrait être pas mal comme ça. Non, il en faut aussi là et là. Ça vous me dites, voilà. Bon, c'est un peu moche, mais on fera le taf, ça fera le taf. Du coup, ce poteau-là ne sert à rien. Comment on fait pour enlever un truc? Parfait, comme ça. Donc, du fer. On peut totalement séparer ici, par exemple. On fait up, là, on va pivoter. Toc, 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 toc. Alors, il n'y a même pas besoin de ce convoyeur souterrain. Celui-là suffira. J'ai plus de contrôleur, de convoyeur, c'est le drame, c'est le drame. Pourquoi j'envoie ça là? Non, il faut que je fabrique des... Attends, mais j'ai du mal moi, il faut que je me remette dedans. Non, il me faut des convoyeurs et des bras robotisés avant. Avant, avant, avant. Je fais n'importe quoi. Des convoyeurs. Des convoyeurs, il faut des engrenages et des plaques de fer et des bras robotisés. Ah oui, non, mais je fais n'importe quoi. Bon, on arrête tout. On arrête tout. Toc. Donc, ici, ça c'est moche. Est-ce que je peux faire un truc là? Ouais, non, c'est pas ce qui me semblait, je peux pas faire ça. Il fait forcément un truc. Bon, on verra plus tard. Il faudra que je le fasse, il faudra que je déplace ce bras d'une case. Hop, voilà. Et là, un comme ça, voilà, parfait. Ça va déjà rétablir un peu plus le truc. Donc tout ça, on récupère. Ça ne nous sert à rien pour l'instant. Il faut qu'on fabrique. Il faut qu'on fabrique du convoyeur. On va commencer par ça. Alors le convoyeur, il faut des plaques de fer et des engrenages. Donc j'ai envie de dire que par ici, on serait quand même plutôt pas mal en les mettant par exemple là. On va en faire. On va virer ça, ça va foutre la merde, mais c'est pas grave. Voilà. On va se mettre par là. On va prendre ça. On va prendre mes bras. Ouh, j'ai plus. Merde. J'ai plus beaucoup de bras, dis donc. Donc là, on charge. Là, on charge. Là, on charge. Là, on charge. On fabrique. Des convoyeurs, on va les décharger sur un tapis qui vient par là. Ah, d'accord, il faut des barres de plastique. Ok, on n'a pas le choix. Hop, voilà. Ouais, on va arriver à un moment où il faut vraiment de la chimie et ça va être plus compliqué. Hein. Clairement. Donc là on peut par exemple faire en sorte de décharger ici et d'arriver par exemple
celui qui est au milieu. C'est pas mal comme ça. Il m'en faut un de plus. Hop. Hop. Ouais, ça suffit. Vous avez pas de courant, les gars. C'est très con. Pourquoi vous avez pas de courant? C'est complètement débile. Ok, donc là on pourra assez facilement rajouter d'autres s'il y a besoin. Ai-je envie de dire? Et du coup, il nous faut un approvisionnement en pétrole. En pétrole, ouais, ça serait bien, mais déjà en bras robotisés. Et pour ça, il faut des engrenages, des circuits électroniques, des plaques de fer. Donc ça veut dire qu'il nous faut encore plus d'engrenages. Je pense qu'on va faire une nouvelle chaîne de fabrication d'engrenages pour ça, tout simplement. Ça, on va le virer. Hop. Dans le bon sens, voilà. Bah on a de la place là, hein. Donc on pourrait se mettre par ici par exemple, amener notre fer là, refaire encore quelques engrenages et puis en profiter pour faire tout notre truc, ouais, ça me paraît pas dégueulasse. Ici on va coller. Mais là les tampons c'est pas décollant parce qu'on a déjà pas mal de réserves en soi. De faire quoi, excuse-moi? L'idée des tampons. De garder des... Ah ouais, ouais, les, bah, les tampons. Bah, surtout pour les ressources où on peut avoir un intérêt de les ramasser et tout, quoi. Mais même, je vois bien, même pour là, je pourrais d'ailleurs, je vais le faire d'ailleurs. Faire un tampon pour les potions, là. Hop, un petit coffre. Un petit bras ici. Un petit bras ici. Un petit potal. Mais ouais, clairement, c'est, ça permet de, d'avoir une production beaucoup plus continue. N'est-ce pas? Un petit bras, un petit coffre. Voilà, c'est parti. Pareil pour les engrenages, ça évitera qu'ils s'accumulent trop. Non, c'est pas du tout ça. Je prends des convoyeurs au lieu de prendre des coffres, ça va pas marcher. Ok, ça c'est fait. Alors ensuite, on était en train de faire complètement autre chose. À force de partir dans tous les sens là. C'est un peu le bordel, je suis désolé. D'ailleurs, j'ai plein de potions dans mon inventaire, donc on va déjà relancer un peu la production de science avec ça. Hop. Hop. Et oui, hop. J'ai des potions militaires si tu veux. Ouais, bah, je viens de les relancer un peu dans le bousin là, parce que mine de rien, ça fera au moins avancer un peu la science le temps que je termine de tout construire. Bah, je vais aller déposer tout ce que. On a donc tout ce que j'ai en stock. Il me faut du cuivre de nouveau. Je pourrais me greffer là-dessus à la rigueur, ça serait peut-être pas plus mal. Ouais, après faut que j'arrive à l'amener là, hein. Donc faudra que je fasse un truc qui descend et puis qui après remonte. Donc qu'il soit plus ou moins autosuffisant. Ok, donc on va commencer par se décaler d'une case déjà. Hop, faire des engrenages ici. Voilà, on charge. On charge. Ici on fait, c'est là. Des engrenages et des engrenages. Ok. Ici, on pourrait faire des circuits électriques assez facilement. Après, il faudrait qu'on puisse le décharger. J'arrive pas, il y a deux cases là. Non, il y a qu'une seule case. Oui, non, il y a qu'une seule case ici. Merde. Ça matche pas. Ça matche pas. Le drame. Le drame, le drame. Faudrait que je décale tout ça d'une case. C'est dommage. Mais bon. Ici, je peux pas décaler d'une case, donc on va décaler là, tant pis. Hop, voilà. Donc ici, du coup, on ferait.
des fils électriques, n'est-ce pas? On Des fils de décharge les cuivre. fils électriques. Pardon? Des fils de cuivre. Ouais, Des circuits. des fils de cuivre, non, des... oui, c'était une excellente remarque. Pour... Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Faut du de câbles en cuivre et des plaques de fer. Oui. Donc du coup, là, il faut que je fasse des câbles en cuivre. Derrière, on les évacue vers un truc. Ouais, et là, on va faire des engrenages. Hop, et derrière, on fera des fils de cuivre. Fil de cuivre ici, des plaques électriques ici, à partir de ce qui arrivera d'ici et ce qui arrivera d'ici. Et après on renvoie tout. Où ça? Oh là là, c'est le bordel hein. J'ai déjà des nœuds au cerveau là au bout d'un épisode. C'est la fête. On attend de voir la fin. Est-ce que je pourrais pas les fabriquer ici du coup, mes plaques? Oui, je pourrais complètement les fabriquer ici. Allez, je pose ces deux trucs là. Hop, voilà, le deuxième qui arrive, dès qu'il arrive. Bon, il n'arrive pas tout de suite. Donc ça servira à fabriquer. C'est où? C'est là. Des fils de cuivre. Ensuite ici, on fabrique des circuits électroniques. On va déjà poser ce paradigme là. Ici, du coup, avec nos fil de cuivre et nos circuits électroniques. On est capable normalement à un moment de faire. Là, il fallait qu'on fasse des engrenages. C'est ça qu'on a dit. Hein. Oui, c'est ça qu'on a dit. Et donc derrière, on sera capable normalement de faire des bras. Des bras robotisés thermiques, absolument pas. Voilà, donc normalement, du coup, le schéma devrait donner à peu près ça. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode et on le verra lors du prochain, ce schéma. Qui j'espère donnera quelque chose. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, à laisser un petit commentaire. On ira jeter un œil aux innovations de Katox lors du prochain, je pense. Et je vous remercie d'avoir regardé. Merci à toutes et à tous. Salut.